aussi 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 ce sont les petits marionnettes. Aussi 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 ce sont les petits maris trop bons, ficelés à la maison par des dragons en jupon. Jupon. Petit rappel aux nouveaux arrivants, les textes que vous entendez sont tous dus à ce personnage-là, Jean Lancelme, inventeur de Paris-Plage. Et nous revendiquons pour lui on commence cette pour paternité. Les... Pour ceux qui arrivent, on pour ceux qui arrivent, pour les autres, on commence. J'ai choisi poème bête pour enfant malin. Voilà. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Oui, répondit plus la fort, canon. On n'entend rien. Non je recommence. Oui. Ah, ça va être dur. À la barre. Alors, ah, ça c'est bien. Voilà. Réquoire. Alors, poème bête pour enfant malin. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Oui, répondit la canon, qui n'était pas bête comme on pense. Moi aussi renchéris le couteau, jouant au finot. Le crocodile essaya bien d'en faire autant, en vain, car on le mit au coin. Et il pleura à fendre l'arme. Qui donc? Dites, as-tu vu? Tu peux y retourner. As-tu de la confrérie? Ça, c'est pour adhérer. Pour adhérer, n'hésitez pas à adhérer à la confrérie dans l'enseigne. C'est 10 euros par an, à peine 1 euro par mois. Histoire drôle. Pardon. Histoire drôle. Pendant l'occupation, après avoir flanqué une chicorée à un frisé, je l'ai vu partir, pâle comme une endive, dans un panier à salade, ça sentait le vinaigre. C'est peu après qu'on les tue. Ils ont compris. Merci. Allez, on en a une autre. Geneviève Morel. Dans la vie, contrairement à ce qui se passe en joaillerie, les perles de culture sont plus rares que les autres. Merci. Bien. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite personne d'autre? Madame Boucherie. Ah non, ça y est, monsieur. Tu as lu? Oui. Personne ne veut lire? Non. Bon. Sandrine, as-tu lu? Tu as lu? Et tu as eu un tiens? Ta. Non? Bon. Personne. Philippe, c'est fini? Brigitte? Oui. On t'a pas entendu, Brigitte? Non, c'est vrai. Oh. Il y a aussi le papier. Il y a. Bon, ben j'y vais. Bah voilà. Alors. Nous allons terminer sur des propos de Jean Lancelme pour voilà, cette clore cette manifestation d'envergure. Voilà, pour les amis qui sont à Londres, je crois, la poésie moyen d'évasion. C'est une causerie que j'ai proposée au directeur de Fleury-Mérogis, où j'avais eu l'occasion de passer précédemment. Il a trouvé le sujet intéressant, mais m'a suggéré d'en changer de titre. Histoire vraie? Histoire vraie? C'était une histoire vraie? Il faut être de Londres. Un petit dernier mot. J'ai écrit un poème, moi. Ah, chouette. Pour rendre hommage à Jean Lancelme. Et c'est son bel héritage de la poésie con que je veux traduire ce soir à l'occasion de Paris-Plage. J'ai apporté le déguisement du commandant Cousteau qui n'est pas là parce qu'il se couche tôt. C'est con, hein. Ça, c'est son bonnet de la Calypso un soir de Noël. Ça, c'est son légendaire nez. Et ses lunettes, avec lesquelles il écrivit dans la Calypso un soir de,
Grande déprime avec le rut des requins qui n'en pouvaient plus. Ce quatrain en alexandrin. Glou, 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 glou. Glou, 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 glou. Glou, 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 glou. C'est ainsi qu'il s'endort après et se réveille plus tard dans des îles lointaines. Glou, glou, glou. Merci. Vous remarquerez que ce sont des rimes parfaitement riches, croisées, décroisées, comme les dents de poissons et de requins. Il est encore plus bête que moi, c'est pour ça qu'il m'accompagne souvent. Oui. Et l'héritier ? Et n'oubliez jamais ça, car avec ça, outre l'or des torrents, on peut aussi récupérer les sourires de tous les cœurs et les distribuer ensuite en pépites. En pépites d'or comme celles que notre enfance nous réservait et nous réserve toujours. Car c'est nous, les enfants d'aujourd'hui, qui venons sur ces quais ensablées de cette Seine. Qui t'a écouté, Jean ? Merci. Merci, Jean. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Dan, non, on va arrêter là. Vous êtes venu en nombre et je vous suis infiniment reconnaissant. Hein ? Les poètes sont des gens isolés. On ne sait pas qu'ils existent et ils existent même. Il y a une chose curieuse. On demande aux gens, par exemple, de citer des chanteurs. Ils vous en énumèrent 50. Vous demandez de citer un poète vivant, ils ne sauront jamais vous le dire. Voilà. Alors c'est pour ça, nous vivons à l'ombre. Et quand il y a un petit peu de soleil comme aujourd'hui, bah, ça nous réchauffe. Et ce soleil, je vous le dois. À l'année prochaine. Voilà, nous vous remercions tous. Les personnes, si allez-y, dites le dernier, allez. Allez. Monsieur X, il est sympa, hein. C'était un vieux hibou, affreux comme un pou. Avec son caillou, nu comme un genou. Mais comme il était chou, quand il faisait joujou, avec son chien bijou. Merci. Les personnes qui ne connaissent pas Jean Lanscène, je crois que dans l'Assemblée, il y en a quelques-uns. On ne les dénoncera pas, on ne les noiera pas. Je tiens ici l'objet du délire, c'est-à-dire la bibliographie de Jean Lanscène. Donc si vous voulez les titres des textes, des œuvres que l'on a lues tout à l'heure, que vous avez lues, vous avez ça ici sur ce papier. Sinon, donc, vous avez les petits papiers pour la confrérie Jean Lanscène, si vous désirez adhérer. Alors adhérez à la confrérie Jean Lanscène. Ceux qui sont déjà membres de la confrérie ici présents dans l'Assemblée le savent. Vous recevez le feuillet plus contumeur, dans lequel il y a plus de conneries que de choses intelligentes. Vous serez informé de tout ce que nous avons comme projet, principalement autour de l'œuvre de Jean Lanscène. Et vous êtes invité à l'Assemblée nationale, non, l'Assemblée générale, qui se tiendra, nous ne savons encore quand, prochainement, bientôt, une autre fois. Mais nous vous invitons, mais c'est vous qui payez le train pour venir en Normandie, où se tiendra l'Assemblée, très certainement en proximité de là où est située l'association, la confrérie Jean Lanscène. Et on peut voter par correspondant. On peut voter par correspondant. Confrères et consoeurs, bonsoir et merci. Merci bien, rentrez bien et un de ces jours. Jean, officiellement, Madame la Présidente, c'est pour ça que je voulais que tu viennes, que tu offres officiellement à Monsieur le récipiendaire. Monsieur le récipiendaire. Ah oui, c'est ça quand même. Attends, la photo. La photo. Ah ouais. Bonne santé. Très bien la tête. Je vais le mettre à la tête de mon lit. Ah ouais. Je vais être content, Yvonne. Oui, avec un peu de sable. Comme merci bien. Dans les bras. Et bonnes vacances à toutes et à tous. Merci.